YouTube, c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. On voit mener Squid Game. Oh, regardez, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il y a un bouton Quick Game. Est-ce que ça lance le jeu direct? Quoi? Non, non, mais... Au secours. Ça lance un niveau pif. Quel enfer. Histoire. Allez, on est parti. Prochain niveau, chercher Klein. On cherchait Klein. Et ça, c'est énorme, Klein. L'ami Klein, bien sûr. Qui s'est fait rejeter parce qu'il tapait les poules. Et qui est le crime le plus grave existe. Hein. Il y a quelques années, un groupe de poules scientifiques a ouvert un portail vers d'autres mondes. Pas mal. Elles y découvrirent des poules manipulées, torturées, soumises. Oh, c'est pas ouf. C'est pas ouf, je le conçois. Attaquer les poules, t'es devenu un jeu, un défi. C'est horrible. Des humains aux lutins vêtus de vert. L'univers entier s'acharne jamais sur elles. Mais c'est horrible. Pauvres poules. Les pauvres poules. Elles décidèrent alors de créer un havre de paix où elles pourraient vivre en harmonie. Let's go. Bienvenue dans ce monde. Bienvenue dans la République des poules. Chicken République, bien sûr. Énorme. Dragon Quest, bien sûr, hein. On reconnaîtra le héros. Le héros qui ne sera pas présent, vu qu'on joue un jeu de rythme. Et c'est dommage. On est arrivé. Il faut qu'on trouve Klein rapidement. J'ai oublié sa voix. Salut Rustiran, comment tu vas? Je faisais quelle voix à Tib? Oh, bah à chaque fois que je relance ce live, j'oublie les voix. Ils auront de nouvelles voix. Ils auront des nouvelles voix à chaque fois et c'est pas très grave. Rien autour de nous. On devrait chercher si quelqu'un peut nous aider. On avance. Le monde des poules. Le monde des poules, hein, bien sûr. Salut les poules. Mes voix ne... Je suis désolé pour ceux qui regardent sur YouTube. Hein. Dans 3 ans, quand je serai connu, et que vous vous direz, tiens, c'est marrant, il a fait un live de OSM. J'étais très mauvais streamer à l'époque. Pouline nous dit... Nous sommes venus des voyageurs et nous voyageons surtout par là de votre chef. Les étrangers sont pas venus dans la terre de la République des poules. Oh super, on est tombé sur des poules racistes. Écoutez, on est simplement là, je déclare. Peut-être que... Oh, oh. Vous êtes avec cette vermine. Cette vermine. Il a passé des années torturées. Allez, vous humiliez. Le roi Fabrice l'a jeté au cachot. Qu'il est pourrisse. Et que pouvons-nous savoir où se trouve ce roi Fabrice? Étranger, vous avez foulé le terre, disparu en plus de haine. Vous êtes venu prononcer les noms de nos ennemis dans le village. Nous avons brisé des chaînes et de nombreuses lunes désormais. Nous ne laisserons pas intimider par deux rectangles et tous les navires. Ce n'est pas le combat d'une poule, mais celui de mille d'entre eux. Oh, Pauline! Ils ont tué Pauline! Mais... pourquoi tu as fait ça? Oh désolé, je ne supporte pas les monologues. Pauline, les gars! Vite! Bon, on devrait y aller. Eh ben bonne idée ça, Rob, bravo hein. Bravo, Toulon, dit notre ride. Ouais, c'est ça. C'est ça. On ne bouge plus. Ah, c'était trop facile. Nous avons reçu l'ordre de vous éliminer côte que côte. Ça me fait rire. Ah oui. C'est l'heure de faire des nuggets. Oh, la musique est incroyable. Oh, c'est incroyable ce qui se passe.
C'est incroyable ce qui se passe, les poules meurent. Vous avez tué mes sœurs. Nous vous ferons payer au centuple. Au revoir. Comptez numéro. Oula! J'ai enfilé des côtes-côtes de médaille pour vous écraser! Attaque! Et attention! L'attaque magique! Et le décès. J'ai joué moi. Pardonnez-moi. Che. Et ça devient chaud même au normal hein. Mais il y a de plus en plus de poules. Hein. Eh, mais il y a au milieu, comment il s'appelle lui, la Lily. C'est pas la côte de cocotte. C'est. Geno, non? Gentille petite poule. Gah! Ah, c'est le majeur de FF. My bad. Tu sais pourquoi je le confonds? Je suis... My bad, hein, ma culture, vous savez, de jeux vidéo. Mais en sous RPG, vu que je joue pas au RPG, de manière globale. Je connais les références, mais je sais pas les placer. Allez, elle est bonne la musique là. On est bon, on est bon. Et nous arrivons à la fin de ce niveau. Y a pas assez de son? Tu veux plus de son? Je peux te mettre plus de son si tu veux, mon cher Ulciran. Tu es le roi. Et je te monte un peu le son, tu me diras si c'est bon. Parce que je sais que le son du jeu est très fort de base. Donc j'évite de mettre trop pour vous. Après des semaines de recherche... Tibérob finirait par trouver le château du roi des poules. Des semaines de recherche. Ah, mais attends. Non, je sais le problème. Oh merde. Oh non, vous avez un son dégueulasse depuis le début. Et c'est entièrement de ma faute. Oh non. My bad. Attendez. Ah, c'est de ma faute. J'avais baissé le son de mon truc l'autre jour. Et du coup, ça vous a impacté. Ah là là, niveau raté. Vous êtes devant Tibérob. Les bouchers. Hé, hey, t'as vu ça, Tib? On est plutôt célèbre maintenant. Vous avez massacré la moitié de l'armée. Nous voulons juste parler au roi. Si vous nous laissez passer, il ne vous arrivera rien. Pas question. Faut nous éliminer d'abord. Bah ouais, forcément, on a level up. Suffisait de demander. Désolé, je pensais vraiment que le son était plus fort. Mais du coup, il doit être trop fort là. Bon, tu me diras. Tu me diras les réglages, tu sais, moi le son. Ah, mais il nous attaque même plus les poules. Oh, le boss! Tibérob! Les bouchers! Oui, on a bien mis au courant pour fonctionner. Vous avez semé chaos et destruction pour aller jusqu'ici. Que cherchez-vous? Niveau de voir Poulain, il détient un objet, nous en avons besoin. Alors vous êtes des méchants criminels? Je ne suis pas étonné. Écoutez, on a parcouru des milliers de pixels, kilopixels pour en arriver jusqu'ici. Votre armée n'a pas arrêté de nous attaquer alors que nous n'avons rien fait. Ok, mon frère a peut-être tué une villageoise innocente quand on est arrivé.
D'accord. Je vais baisser le son bien sûr de la musique qui est trop fort. Hein. Putain, mais ce jeu, je le mets à moins 30 là en DB. Quand je joue à Smash, c'est moins 22 que je mets. Hein, pour que vous imaginez. C'était un accident. Mais maintenant, tout ce que vous voulez vendre, c'est 5 minutes avec Klein. Après ça, vous n'aurez plus jamais parlé de nous. On va arrêter de se prendre comme battant depuis le début. L'heure est venue pour vous de disparaître. Ils sont pas très code coopératif, hein. Là, j'ai l'impression vraiment qu'on est un peu fermé. Là, je sais pas si t'as vu le Siran. J'ai remis l'eau. Et j'ai rajouté un truc. Ok. Les poules de devant sont mortes. Comment allez-vous ? Non ! Ah non ! Pili-pili-pili-pili ! Ça picote bien, oui. Bien joué là, bien joué le tir. Attends, mais vaca ! Ah, il y a des poules derrière le mur. Elles sont 4, j'ai pas vu. On respecte les règles des boss, hein, il y a 3 phases. Ok. Pouette. Je vais vous écraser. Fabrice devient un peu fou. Je n'en peux plus de ces poules. Il est temps d'en finir. En fait, c'est horrible parce que t'as moins d'espace sur le haut et les côtés. Donc du coup des fois le côté spawn avant le haut alors que c'est le haut avant. On se termine dans moi je vous ai pas duré, peut-être. Probablement pas mais... Tentez. Vous avez vaincu votre armée. C'est la fin. Ok, j'arrête, promis. Ok, ça avance. Est-ce que le boss est mort, troisième phase? Fabrice explose. Fabrice, c'est quoi la référence? C'est sûrement une référence dans Fabrice. Hein. Vous savez... S-b-la-p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 a-
Qui es-tu? Moi, c'est Klein, et vous? Klein? Enfin! Je m'appelle Tib, et lui, c'est mon frère, Rob. Ça fait des semaines qu'on cherche. Vous êtes venu libérer? Pas du tout, on a besoin de ta flûte magique. Oh! Et si je vous la donne, vous l'oublierez quand même? Donne-nous la flûte, Klein! Bon, d'accord, et dans le corps de ma cellule avec tout le reste de mes affaires. Des bombes à mourant, 27 boussoles, 32 de cartes de donjon. Ah, le voilà! Ça ressemble à la flûte qui est dans Zelda, Link's to Past et Mario Bros 3. Tib, on a réussi, il est temps de retourner voir Cloche-Pied. Avec plaisir. Allez, au revoir. Faut vraiment que je travaille mes dames de négociation. Ah, là, tu t'es fait un peu avoir, je crois. Et pauvre Klein, pauvre Klein qui malheureusement... n'en fera pas plus. Prochain niveau, les amis. À quoi ressemble ce mur selon vous? Shadow. Suspense. Le suspense, le shadow. Où est du monde? C'est quoi sa voix lui? Ah oui! Vous avez trouvé la flûte! C'est l'heure d'ouvrir le portail vers l'ombre! Vous êtes prêts? Quoi qu'il y a derrière cette porte, il faut qu'on l'affronte! Allons-y! C'est parti! Nous allons affronter le boss final de ce jeu. Est-ce que c'est la fin du jeu? On va voir. Ça serait court, c'était la fin. Oh! C'est Isaac! Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, c'est maman! Bonjour les enfants! Maman? Oh! Il va falloir arrêter que les mamans sont petits! Ami, ça te fout dans la mouille, yes! Mon vrai nom est Xelivad! Davilex. J'ai du mal à la gorge. L'empereur des bugs! L'ombre des Arcaniens! Alors, tout ce temps, c'était toi? Tu n'es pas notre mère, pourquoi avez-vous tout ça? Après avoir détruit Arcania, il me fallait du temps pour réparer mes forces! Mia pour réussir à reprendre forme! Davilex, c'est référence à quoi? L'exilivade, c'est avec Davilex à l'envers, on est d'accord? Je suis un partenaire d'Arcania qui avait échappé! Je suis vengé sur une petite colonie suivante, celle de vos parents! Oh! Alors, il y a d'autres colonies? Mais maintenant! Je vous ai recueilli et élevé pour ce que vous me disiez à l'attendre à travers tous les univers. Vous avez rempli le trône à la perfection, j'ai mal à la gorge. C'est terminé, Xelivad. Nous allons mettre un terme à ton existence. Oh oh! Ah. Vous ne connaissez rien quand je me pouvoir. Je vais vous écraser, les enfants! Nom de compagnie. Ok. Elle me dit quelque chose, mais j'arrivais pas forcément à voir. Ok, c'est parti pour le boss final. On est en normal, je rappelle. Peut-être qu'on fera de les niveaux en difficile plus tard. Oh. Fait mal à la tête, hein, je trouve, un peu ce niveau. J'ai pas mes lunettes en plus. C'est un peu les regrets. Ok, on avance. Ah, les enfants, fais pas qu'à la maman. Tu n'es pas notre mère, tu n'es qu'un vulgaire tas de bugs. Ouf. Vous ne serez rien sans moi, je vous ai élevé. Nourri. C'est vrai. Torturé, trahi aussi, c'est la fin pour toi, maman.
J'aime bien voir qu'il y avait la durée du niveau en bas. Pas de la musique. Maintenant! Oh! Bande de petits! C'est mon jeu vidéo, Davidex? Je crois que j'allais me renseigner, je fais de la merde. Les enfants, c'est que j'ai mal à la gorge. Je vous ai bien apprécié. Ah, c'est horrible ce qu'elle dit. Je suis rassuré qu'un monstre comme toi ne soit pas heureux de mère, tu sais. Oh, quelle ingratitude, Tim. Vous devez me respecter. J'en ai bientôt sur les mondes. On sera mort face à ce curing. Tu ne verras plus de mal à personne. Finissons-en. On arrive à la fin du niveau normalement. Ou de la musique du moins. Ça me fatigue ce niveau de fou. Visuellement ça me fait très mal aux yeux. Ok, dernier coup, je pense que c'est la fin de la musique, logiquement. Donc fin de cette phase du niveau qui était catastrophique. Hein. J'ai pas été à l'aise, on va dire. J'ai pas été à l'aise. C'était complicado. 85% quand même. Bon, après, je suis pas un joueur de jeu de rythme, hein. Vous savez, moi... Enfin, vous serez trop loin. Oula. Maman n'est pas contente. Je suis l'Alpha et l'Oméga, vous devez obéissance. J'ai plus de gorge par contre, je suis désolé. Je donne ma force devant Obi en pensant que tu me préparais à devenir des héros. Il est temps pour nous de l'être. C'est la fin pour toi, ma mort. Ah, je ne peux pas disparaître. Va-t-elle disparaître? N'est-ce que le début? Avons-nous créé un monstre? Que va-t-il se passer? Arg. Oh, oh. Ah, nous revoilà, Dier. On est en vie? Ça va bien, Queen? Ils sont de retour! Vous avez réussi! Vous êtes tous restés? Et comment? Vous avez vaincu l'ombre? C'était incroyable! Tout le monde attendait votre retour avec impatience. Vous êtes les héros que tout le monde attendait. Merci, Tibérop. Ah! Si simple. Puis la vie reprit son cours. Avec Rob, nous avons décidé de rester au village des survivants.
Ces gens étaient notre seule famille désormais. Et bah, c'était OSM en 10 minutes, il nous restait pas grand en fait. Davilex Game était une compagnie de néerlandaise de jeux vidéo, cette branche Davilex, c'est ok. Nous sommes rapidement faits à notre nouvelle vie. Notre enfance difficile avait laissé place à une vie douce et paisible. Oh, incroyable. Du coup, c'est vraiment une compagnie de jeux vidéo. Tu vas avoir une raison à la référence. Jeu de course. Ok. Sous les étoiles, nous écoutions alors les histoires de nos ancêtres. Y compris K2000. Oh, let's go. Est-ce que vous avez voulu faire un petit K2000, là? En vrai. Nous nous sentions enfin chez nous. À K2000. Mais trop bien. En fait, il nous restait que deux niveaux, du coup. Je pensais qu'il en restait plus dans l'aventure principale, puisqu'on a, je crois qu'on a les DLC. Hein. Si je dis pas de bêtises, je crois que la version que j'ai achetée a tout. Je trouve qu'il est quand même très court. Après, c'est un jeu de rythme avec du scoring, donc il y a toujours moyen de faire mieux. Ah ouais, à ce point-là, PSB. On en a à ce point-là. Les humains derrière Old School Musical, on remercie bien sûr ce studio, je crois, français. Si je ne dis pas de bêtises, voilà François Bertrand. Hein. Il décide d'écrire après tout le monde. Oh le méchant. Oh c'est moi. J'ai des pixels qui te font que ce que lui écrit vraiment. Ah il oublie pas. Très bien. François Bertrand encore lui. Les 31 de code pour afficher un carré bleu sur fond rouge. Bravo. Il a plus de cheveux mais fait pareil, bravo à Félix Herbe. Hipponeco, le hippie qui fait du jumbe et qui compose des musiques. Bah, bravo à toi. Mehdi Mansouri, celui qui a très mal négocié son contrat et il s'est retorsé nu pour un kebab. Ouais mais il a un kebab. Arthur Schlosser, il a goûté des musiques 3,76,457 fois pour placer les touches, bravo à lui. Hideo Kojima, celui qui n'a pas du tout participé au développement du jeu. Ah, coup dur à Kojima qui n'était pas là. On y pense. Playjus, celui qu'on paye à traîner sur Facebook et Twitter. Bravo à lui. Ah, Xavier Dank, c'est le DLC, je crois qu'il a fait MDR. Duke Mod, Zabuton et le War de Plankton. Ce qu'on a invité parce que ça va mettre l'ambiance. Bah oui, bien sûr. Parce que Lucas est le jour grâce à vous, le soutien. Merci d'avoir joué par exemple de vous. Bah merci à vous. Bravo à vous, c'est incroyable. C'était insane. Petit studio indépendant. Hein. Et au final, un bon jeu. Un bon succès. Un peu court. Mais en vrai... Tu es toujours là? Allô? Alors, cette histoire, c'était bien? Bof. On s'est eu du mal pour tout raconter. Enfin, tout, pas vraiment. Enfin, on a sauté un passage. Ah, tu te souviens quand on était à la recherche du roi des poules? Ça a pris plus de temps que prévu. Beaucoup, beaucoup plus... Oui, ça a pris plusieurs semaines. Il tente d'entendre tout ce qui s'est passé vraiment. Ah. Ah! Les amis. Point histoire. Tibérobe était à l'origine du château où Klein se trouvait emprisonné. Est-ce qu'on joue ou pas? L'armée du roi des poules se mit en place pour leur barrer la route. Bah oui, on a tué la moitié de l'armée quand même. Hein. Cette histoire raconte leur voyage sanglant. Chicken Republic, The Untold Story from Old School Musical. Incroyable. Mais tout ce qu'il y a à faire! MV Expo. C'est tous les DLC! Regardez-moi tout ce contenu, les amis! C'est quand même incroyable! Go MV! Bah, bien sûr qu'on va Go MV. Hein. MV Expo. Ah merde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, il y a combien de niveaux? Ok. Testons. Testons les musiques de Monsieur Dang.
C'est des fans, les poules, du coup. Bah, du coup, c'est tous les DLC dans, dans cet univers-là. C'est Nintendo à droite, là. Je reconnais. À gauche, pardon. J'adore le zoom. Oui, j'adore le zoom. Oh, l'effet de lumière. Il pique, hein. Du coup, on a quand même une cinquantaine de niveaux à faire si on veut. Alors, je sais pas si je les ferai tous en live, honnêtement. Peut-être une fois de temps en temps, on y rejouera. Là, c'était cool cette petite aventure hein, du mardi. Ça aura duré 2 semaines, hein, c'est assez court. On aurait pu le faire en une soirée. Je pensais que c'était un peu plus long. Mais bonne expérience! Pourquoi ça bouge comme ça là? C'est mon écran qui bug, c'est mes yeux? Ça va perturber le des vidéos. Je sais pas, il est sur un coin de l'écran. Au secours. Touche-moi ce coin de l'écran, s'il te plaît, je t'en supplie. Oh mon dieu, ça pique les yeux. Hein. Y'a-t-il quoi là? Non? Je vois rien. Qu'est-ce que c'était en faire? Le même vidéo qui part. Je sais pas si on a eu le coin. On a touché le coin ou pas? Est-ce qu'il a touché le coin? Pourquoi il y avait un effet? Au secours. Il a pas touché. Ah mon voyant en bas. On les fait tous? On se les fait tous tranquillou? Après on partira sur Smash. De toute façon. Au secours! À l'aide. J'ai appuyé le jeu. C'est bon ça que c'est là.
Arrête le jeu. Mais tout est infernal. Pourquoi on me déteste ? Je panique, je fous panique, hein. Le traître, je l'ai tête. Non, c'est quoi le bordel? Je voulais vous dire que c'est tellement moche que j'ai coupé le son, vous avez l'eau qui pleure. Quoi? Mais c'est méchant, Kiro, ce que tu dis. C'est pas lui qui a perdu la Kagakana là? J'ai pas envie de refaire ce niveau. Hein. On est d'accord qu'on a aucune envie de refaire ce niveau. Comment tu vas, Kiro? Moi, je voulais ça dessus. Hein. On va se faire le suivant. Ce jeu c'est carrément rigolo. Ce jeu est très rigolo. Par contre, le niveau de MV. J'ai mis en difficile, c'est pour ça. Attendez. MV a testé ce niveau. Et moi je peux sur Xbox, hein, j'ai pas les couleurs. Hein. Vérifie que ta manette est bien connectée. Elle est connectée ! Pas une trigger. C'est mis en forme normale ou pas? Mais non! Ouais, non, en fait. Ça va rester en difficile. Facile déjà.
Il y a le DVD qui est là. Tu vois la différence entre le difficile facile et le normal quand même. Hein. C'est beaucoup plus accessible. Hein. Allô ? En fait, c'est le mode difficile est vraiment très différent, quoi. Au moins, on aura testé difficile une fois. Hein. Mais au secours, quoi. Plus jamais, hein. Bon, prenez le style BMW, hein. Enfin, pas dans les niveaux, je parle, hein, mais... Ah et j'ai dit que normal c'était plus cool. En vrai tu pourrais dropper en couleur t'es mettre Xbox. Mais moi j'ai mettre Switch. J'ai pas les couleurs. Ok. Ah énorme. Hâte de voir Dang le tester. Je sais pas s'il va le tester. C'est prévu qu'il le teste. Ouais, j'avais du bon temps, difficile. Hein. Ah là, il y a un monsieur avec des lunettes. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de passer un moment incroyable. Je réagirai pas, je réagirai pas. C'est donc ça. C'est donc ça, monsieur à lunettes. Allez-vous-en. Imaginons difficile. J'étais en difficile sur le niveau 2 que j'ai loupé tout à l'heure. Ok. En gros, chaque niveau a des effets, c'est ça, ouais. Des bisous, PSB. Merci d'être passé.
Quel enfer. C'est aléatoire les effets. C'est aléatoire les... Au secours. C'est bien ça, le jeu en 4K. Oh, MV vidéo. Touche le coin de l'écran sur celui. Touche le coin de l'écran. Touche-moi ce coin de l'écran, s'il te plaît, s'il te plaît. Tombe là. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai pas ce problème de d'être dérangé par ce genre de truc. Pourtant, j'ai problème de concentration dans la vraie vie. Mais alors ça, tu vois, ça me dérange pas du tout. Pourtant, je suis nul de base, alors. Qu'est-ce qui leur est arrivé là, ces gens? Ok, Pierrot, il n'y a pas que MK qui est en roue libre. C'est vrai Kiros, mais merci hein, du partage de ton humour avec ce chat. C'était incroyable. Bon ok, c'était... Et il y en a peut-être encore en prévu. Hein. On sait pas trop. Tori City, centre de recherche, décharge dure. Il y a vraiment plein de références à explorer. On va s'arrêter là pour aujourd'hui sur OBS. J'adore les calembours. On va s'arrêter pas OBS mais sur OSM, pardon. Je sais qu'il y a un mode arcade. C'est énorme. Petite pause, les amis. Petite pause. Merci YouTube d'avoir suivi ce live exceptionnel. Petite pause. Et juste derrière, je lui prends du Smash Bros. On fera l'initiation au Smash Ball. J'ai déjà des petits testeurs ou le Siran en offline. Il paraît que c'est assez drôle. J'ai hâte de tester ça avec vous. Petite pause, je reviens dans 5-10 minutes. À de suite, je vous laisse la musique du jeu. Je vous laisse la musique du jeu. Ou pas, non. Non, je vous mets la musique qu'on avait tout à l'heure. Allez, hop. On se remet la musique. Let's go. À tout de suite.